Nous voilà partis pour une petite rando de 17 km. C'est ça, autour de Saint-Antoine. Ça monte un peu de rue. Oui, je prends du calage. Comme d'habitude, je commence toujours par les montées. C'est curieux. Bon bah, Saint-Antonin c'est à 4 km et nous on va à droite là, sur la crête. En bas c'est l'arrivée du cahier du canoë kayak. Ah, c'est pas gagné hein. Non, le pilote, il faut qu'il trouve un nouveau chemin pour s'en sortir. Hein ? Ah ouais, parce que là, parce qu'en fait, pas. C'est ça. C'est pas facile. C'est... Ouais. Pas simple. Hein. Ouais. On vous racontera après. Hein ? Nous voici, on a fait quoi ? Un tiers. Et nous allons aborder la descente vers l'Aveyron. L'Aveyron, eh oui. Descendre dans la vallée pour remonter sur le coteau d'en face. Eh ben, c'est pas facile. Enfin, ça sera moins facile. Qui dit descendre, dit remonter. Bon, là, on est de l'autre côté de... Cirque de la Beaune, de l'autre côté de la Dame Blanche. C'est quoi? J'aurais été dans l'eau. Ah oui. Me trempouillette. C'est vrai. Et là, la pente trop câblée. Il est arrivé au pied de l'escalier du cristal. Ah, faut que tu manges alors. Je vais prendre un petit... Un petit truc comme ça. Allez, qu'on se... C'est un peu abrupt. Là. Là, il me fait aller dans des endroits que j'aime pas. Alors, c'est beau? Pas facile, mais je suis une guerrière. J'y arriverai. Bon, on y arrive, hein? Ça monte toujours autant. C'est un peu plus abrupt que tout à l'heure. Ouais. Mais bon, ça se fait. La preuve. Bon, les marches sont un peu hautes pour moi, par contre, hein. C'est ça. Faut avoir des grandes guiboles quoi. Et là voilà, on arrive. Ouais. Le vaincu. Enfin, on est arrivé.
à la moitié du parcours. Ah, mais c'est bien de sortir un peu aussi. Ça aérer et la tête. Alors là, voyez-vous, c'est la montée d'une partie du GR46. La côte de la mort. Titu. Et en plus, c'est ombragé. Et on finit par arriver. Et c'est pas facile. Là, faut pas la faire quand il fait chaud.